merci. Oui, il y a autour de lumière beaucoup de confusion et d'incompréhension. Obrigado. Realmente, em torno do personagem do Lumière, tem muita confusão, muita incompreensão. Par exemple, les gens pensent toujours que il est un inventeur, mais pas tout à fait, qu'il est un cinéaste, mais pas tout à fait. As pessoas costumam pensar que ele é inventor, mas não totalmente, que ele é cineasta, mas não totalmente. Or, pour moi, il est tout à fait un inventeur et tout à fait un cinéaste. E para mim, na verdade, ele é totalmente inventor e totalmente cineasta. Mais il n'était pas tout seul comme inventeur. Mas ele não estava sozinho enquanto inventor. Il y avait Thomas Edison, Étienne Jules Marais, Émile Reynaud, Max Skolnowski, etc., etc. Et il est important de redire que le cinéma fut une invention collective. Et important de lembrar que o cinema foi uma invenção coletiva. Et même que Lumière est arrivé à la fin. E até que o Lumière chegou no final. Puisque le père de Louis et Auguste Lumière, Antoine Lumière, est celui qui a découvert à Paris le kinétoscope de Thomas Edison. Já que o pai dos irmãos Lumière foi quem descobriu o kinétoscópio em Paris. Antoine, au nom de Paris. Et le kinétoscope était une machine individuelle où il y avait une petite image et pour l'obtenir il fallait payer. E essa máquina era uma máquina individual com uma pequena imagem para poder ver essa imagem tinha que pagar. Filosofia americana. Filosofia americana. Et le père Lumière a dit il faut faire sortir l'image de la boîte, la projeter sur grand écran. Meu pai Lumière disse, é preciso tirar, fazer sair essa imagem da caixa e projetá-la na tela. Et là, on est à la fin de l'été 1894. Isso foi no final do verão 1894. Et Lumière tourne le premier film le 19 mars 1895. E o Lumière roda o primeiro filme no 18 de março 1895. Et fait la première projection privée devant des scientifiques le 22 mars. Et le 22 de mars, il organise la première projection privée à la frente d'un public de scientifiques. Donc il arrive à la fin. Donc vraiment, il arrive au final. Mais une fois qu'il le fait, c'est fait. Mais une fois qu'il fait ça, c'est déjà fait. C'est très important de le dire parce que Lumière, dans les années 20, a été victime tout le temps d'une trop grande sacralisation. On disait, il est le seul inventeur du cinéma. Non, il n'est pas le seul inventeur du cinéma. É muito importante relembrar que ele não era o único inventor do cinema, porque costumavam dizer isso nos anos 20. Então é importante relembrar que ele não era o único inventor do cinema. Mais il y a beaucoup d'inventeurs du cinéma avant lui, il n'y a aucun inventeur après. Teve muitos inventores de cinema antes dele, mas não teve nenhum depois dele. Bon, moi je voulais à la fois redire ça, mais prendre Lumière comme cinéaste. Então eu queria ressaltar aquilo, mas também considerar o Lumière comme un cinéaste. Je voulais défaire Lumière, enlever Lumière des polémiques qu'il y a pu y avoir entre historiens et scientifiques sur la paternité de l'invention. Eu queria desfazer as polêmicas entre historiadores e científicos em torno da questão da paternidade de quem era o pai dessa invenção. Et moi je suis cinéphile, et donc je voulais parler de Lumière en cinéphile. Comme eu sou cinéphile, eu queria falar do Lumière enquanto cinéphile. Je suis comme vous aujourd'hui, mais il y a longtemps, je suis tombé amoureux des films. Como vocês, eu me apaixonei pelos filmes há muito tempo. Et je trouvais qu'on parlait de Lumière de façon anecdotique et toujours un peu confuse. Eu sempre achei que a gente falava do Lumière de maneira anecdótica e sempre um pouco confusa. Et j'ai découvert un homme qui est le premier des cinéastes. Eu descobri um homem que é o primeiro dos cineastas. Et qui a fait du cinéma un art et un art spécifique. Et qui fait du cinéma une art et une art spécifique. Et c'est pour ça que je voulais faire un film qui ne soit pas une imitation des séances de cinématographe de l'époque, mais au contraire de ramener Lumière au présent. E é por isso que eu fiz um filme que não queria que seja uma imitação dos filmes da época, mas eu queria trazer o Lumière no presente. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Alors, il y a... Lumière aurait fait 1422 films. Dizem que Lumière teria feito 1422 films. Lumière et les opérateurs.
Lumière con opératores. Sur les 1422 films, nous en avons retrouvé 1417. Dentro desses 1422 foram reencontrados 1417. Ce qui est un miracle absolu quand on sait que le cinéma muet a disparu à 80%. O que é milagre absoluto na medida em que a gente sabe que o cinema mudo desapareceu em seus 80%. Parce que Lumière à la fin de sa vie avait gardé des films avec lui. Isso porque o Lumière no final da vida dele tinha conservado filmes com ele. Alors il y a eu plusieurs processus de tirage à l'époque chimique en 35 mm. Então teve vários processos de, eu acho que seria edição química de películas na época. Mais depuis quelques années, on peut faire des restaurations numériques. E desde alguns anos atrás é possível agora fazer restaurações numéricas, digitais. Et donc ça c'est une restauration en 4K. Isso é uma restauração em 4K. Et il y avait trois défis dans cette restauration. Il y a trois défis dans cette restauration. Le premier défi c'était retrouver le noir et blanc. O primeiro desafio era reencontrar o preto e branco. Et ça, ça a été une très jolie surprise. Tous les films étaient d'une qualité photographique extraordinaire. E isso foi uma ótima surpresa porque todos os filmes estavam de uma qualidade fotográfica extraordinária. Car pendant des années, on avait vu les films en 35 mm. Souvent, c'était des contre-types. Porque durante anos a gente via os filmes em 35 mm, geralmente eram contratipos em português. Oui, mais des copies de négatifs. Copies de négatives. Des copies de copies de copies de copies. Copies de copies de copies. Qui fait que les films étaient gris. Qui faisait que les films étaient meio cinza. Et on a, ça a été une découverte fantastique de voir que à l'origine du négatif, les films étaient dans un noir et blanc parfait. Il faut une découverte fantastique à découvrir qu'à l'origine du négatif, les films étaient d'une qualité parfaite. Le deuxième défi, c'était le cadre. Le second défi était le cadre. Parce qu'on a vu aussi des films qui sont en format original 1.33. Parce que a gente viu filmes en format original 1.33. Et on voyait parfois les films en 1.37, 1.66, 1.85, même en cinémascope. Et à veces a gente via em 1.37, 1.66 et até em cinémascope. Donc le format n'était jamais respecté. Au format nunca era respeitado. Et là, j'ai voulu qu'il soit complètement respecté. C'est pour ça que dans le film, l'image est dans l'image. Et eu quis que esse formato seja totalmente respeitado, et por isso que no filme a imagem está dentro da imagem. Pour que le spectateur ait l'image parfaitement complète avec les bords ronds qui étaient la marque du cinématographe Lumière. Para que o espectador possa ter a imagem totalmente completa, até com as bordas redondinhas que era o jeito que existia na época. Et le troisième défi, c'était la vitesse, la cadence. Et le troisième défi était la vitesse, la cadence. Et là, il fallait essayer également de retrouver la bonne vitesse pour chaque film, puisque chaque film était tourné à la manivelle entre 16 et 18-20 images secondes. Et le défi était de retrouver la vitesse certa, parce que na época, les films étaient rodados à manivelle, à main, entre 16, 18, 20 images secondes. Et donc tous les films n'ont pas exactement la même vitesse. Então, todos os filmes não têm exatamente a mesma velocidade. Mais il fallait essayer de retrouver aussi une part de vérité dans tout ça. Mas era preciso tentar reencontrar uma parte de verdade naquilo tudo. Mais dans la théorie des restaurations, mas na teoria das restaurações, il est clair pour moi qu'une restauration est une proposition. É claro para mim que uma restauração é uma proposição. C'est une interprétation. É uma interpretação. Et on peut amener un cinématographe d'origine et projeter des films d'origine, c'est encore possible. A gente poderia trazer um cinematógrafo original e fazer projeções do jeito original. Mais on ne peut pas le faire dans le cadre d'une sortie commerciale. Mas a gente não pode fazer no contexto de uma estreia comercial. Et le faire ne serait qu'une imitation. E fazê-lo seria uma mera imitação só. Quelque chose d'anecdotique et de pittoresque. Algo anecdótico e pintoresco. Moi, je voulais redonner lumière dans les salles de cinéma. Eu queria entregar novamente o lumière nas salas de cinema. Je voulais que le nom de lumière figure sur une affiche, un poster de cinéma. Eu queria que o nome do lumière aparecesse num cartaz de cinema, num poster de cinema. Que dans le hall du cinéma, les gens voient Nadir Moknesh de La Pater et Lumière. Que no saguão, né, no hall de entrada de cinema, as pessoas viessem essa cineasta que não entendi o nome junto com o nome do Lumière.
Et c'est pour ça aussi que c'est Bertrand Tavernier, qui est le président de l'Institut Lumière, j'ai voulu que son nom figure dans le film, et à la fin, mon autre père de cinéma, Martin Scorsese, soit également présent. Il y a Polisky, il y a le nom de Bertrand Tavernier, qui est le directeur de l'Institut Lumière. Président. Apparaissait dans le film, junto com o nome do Martin Scorsese, qui apparaissait au final du film. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. À titre personnel, Lumière et Méliès se connaissaient bien. Primeiro, de manière pessoal, Lumière et Méliès se connaissaient bien. Ils étaient amis. Eram amigos. Et à la fin de la vie de Méliès, dans les années 30, qui était une fin de vie difficile, Lumière l'a beaucoup aidé. E no final da vida de Méliès, nos anos 30, que foi um final de vida muito difícil, Lumière ajudou muito Méliès. E c'est Lumière qui a participé au gala de célébration de Georges Méliès. E foi ele, Lumière, que participou do gala não, de celebração do Méliès. E ele a dit: Je salue en vous l'inventeur du spectacle cinématographique. E ele diz: Eu saúdo, cumprimento em você. O inventor do espetáculo cinematográfico. Ce qui fut une parole malheureuse. O que foi uma palavra infeliz. Parce que si il dit ça de Méliès, ça voulait dire moi je ne suis pas l'inventeur du spectacle cinématographique. Porque se ele disse isso do Méliès, ele quis dizer eu não sou o inventor do espetáculo cinematográfico. Parce qu'il était modeste. Porque ele era modesto. E moi, je pense que Lumière est l'inventeur du spectacle cinématographique. Et je pense que Lumière est l'inventeur du spectacle cinématographique. Il a inventé trois fois le cinéma Lumière. Il a inventé trois fois le cinéma Lumière. Il a inventé la technique. Il a inventé la technique. L'art. L'art. Et le public. Et le public. Et la deuxième chose qu'on dit toujours sur les relations Lumière-Méliès, c'est de dire Lumière, c'est le documentaire, et Méliès, c'est la fiction. Il y a autre chose que a gente costuma dizer. À cette relation entre les deux, c'est que Lumière serait le documentaire et Méliès la fiction. Et c'est encore un cliché. Et ça, normalement, c'est un stéréotype. Donc Lumière a tout de suite compris que le cinéma devait raconter des histoires. Et donc Lumière, logo, entendeu que le cinéma devait raconter des histoires. Et la question n'est pas. Et même quand on dit Lumière, je le dis dans le film, c'est un documentaire, non, parce qu'il y a de la mise en scène tout le temps. Et même en disant que c'est un documentaire, la vérité, non, parce que c'est toujours une simulation. Donc Lumière n'a pas fait involontairement du cinéma. Então, não foi de maneira involontária que Olivier fez cinema. Il avait une conscience parfaitement forte de ce qu'il était en train de faire. Ele tinha uma consciência muito forte do que ele estava fazendo. C'est pour ça aussi que la parole Lumière ne croyait pas en sa propre invention est aussi une parole complètement fausse. É por isso que é totalmente mentira dizer que ele não acreditava na própria invenção dele. Et l'idée n'est pas que Lumière c'est le documentaire et Méliès, c'est la fiction. L'idée est que, on va redonner le nom d'hier soir, Lumière, c'est Roberto Rossellini, et Méliès, c'est Federico Fellini. Que Lumière, c'est Rossellini, Kiarostami, Kechiche, Piala, Jean Renoir, Bresson, etc., etc. Et Méliès, c'est Hollywood. Méliès, c'est Standing in the Rain, c'est Singing in the Rain. Lumière, il prend le monde et il le restitue tel qu'il est sur l'écran. Lumière prend le monde et le restitue du jeu qu'il est na Terre. Et il montre que dans ce monde, il y a de la poésie. Et il montre que neste mundo tem poesia. Méliès, il prend le monde et il le réinvente. Méliès prend le monde et le réinvente. Et ces deux familles d'artistes. Ils sont deux familles d'artistes. Qu'il ne faut pas opposer. Qu'il n'en est pas opposé. Mais au contraire, l'addition de ces deux champs de création fait ce qu'est le cinéma. Mas pelo contrário, na verdade, é a adição desses dois campos de criação que fazem o que é o cinema. Et moi, personnellement, j'aime Rossellini et Fellini, les deux. Personnellement, je gosto de Rossellini et de Fellini, os dois. Donc, ce film-là, c'était aussi une occasion de reparler de tout ça pour éliminer beaucoup de choses. C'est ma vision, c'est ma version, mais je crois qu'il était important de redire tout ça. Minha visão era que era preciso fazer esse filme para eliminar essas coisas todas. Acredito que era preciso dizê-lo de novo. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes.
Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Vous l'avez dit, je pense que Lumière et ses opérateurs mettaient de la rigueur dans la création visuelle. Você mesmo disse, eu acredito que Lumière e os operadores deles colocavam muito rigor na criação visual. Que la caméra n'avait pas de viseur. A câmera não tinha visor? Chama visor? Não. Il n'y avait pas de viseur. Lente? Seria lente? Oui. Voilà. Não tinha lente a câmera. Donc l'opérateur devait composer son cadre dans sa tête et techniquement. Então o operador ele tinha que compor na cabeça dele o quadro dele também do ponto de vista técnico. Et on a vu également la qualité visuelle, la qualité photographique, la qualité esthétique de l'image lumière. E a gente notou a qualidade estética, a qualidade fotográfica das imagens de lumière. Qu'est-ce qui est d'essence purement cinématographique? O que que é por essência puramente cinématográfico? L'image animée. A imagem animada. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de films où il n'y a aucune rigueur visuelle et aucune valeur esthétique visuelle. E hoje tem muitos filmes sem nenhum rigor visual e nenhum valor estético visual. Mais il y en a chez Stanley Kubrick, mais il y en a chez Tarkovsky. Mas tem com Kubrick, com Tarkovsky. Il y en a chez Lars von Trier, il y en a chez David Lynch. Et, donc je crois que on a toujours à apprendre, on a à apprendre de lumière. Mais on va apprendre de tous les grands créateurs de l'histoire du cinéma. Então acredito que sim, temos muito para aprender do Lumière, mas a gente tem muito para aprender de todos os grandes criadores da história do cinema. On a tendance à dire tout s'est perdu avec la fin du noir et blanc. A gente costuma dizer que tudo se perdeu com o fim do preto e branco. Mais l'usage de la couleur par Michael Powell ou par Kubrick ou par d'autres le Technicolor, etc. prouve que ça n'est pas la question de la couleur ou du noir et blanc. Mas o uso da cor por estes cineastas, Michael Kubrick e Powell. Stanley Kubrick, ouais, et Michael Powell. Stanley Kubrick et Michael Powell. Non, voilà, on va utiliser la couleur dans des conditions extraordinaires. A cor em condições extraordinárias. Et aujourd'hui, moi, quand je lis un roman, je veux que ce roman soit un roman de forme littéraire. E hoje em dia, quando eu leio romance, eu quero que esse romance seja romance de forma literária. E o cinema, c'est pareil, mas todo mundo n'a pas le talent de Stanley Kubrick, de Chaplin, de Jean-Luc Godard ou de Louis Lumière. E a mesma coisa com o cinema, mas não, nem todos têm o talento daqueles citados. Chris Parker, dans le film qu'il a consacré au cinéaste soviétique Alexandre Medvedkin, Chris Parker, qui fait un film sur le cinéaste soviétique Medvedkin. Et le film s'appelle Le tombeau d'Alexandre. Et le film se chama O túmulo de Alexandre. À un moment, il dit, à un moment, il dit, on m'a dit, Alexandre, que lorsque tu t'es rendu compte que une image plus une autre image, me disseram, Alexandre, quand vous se deu compte que une image plus autre image, créer du sens, créer du sens, on me dit que tu t'es mis à pleurer. Quand on se deu compte que isso criava sentido, me disseram que você começou a chorar. Est-ce que tu pleurerais aujourd'hui de voir toutes ces images qu'il y a et qui ne créent plus aucun sens? Você choraria ainda hoje vendo todas essas imagens que tem, mas que não tem mais sentido? Et la question aujourd'hui est celle-là. C'est pour ça que moi je défends toujours le cinéma contre les séries TV. La question aujourd'hui est celle-là. C'est pour ça que je défends toujours le cinéma contre les séries télévisées. Parce que le cinéma, il y a une signature. C'est un acte poétique d'un auteur. Parce que le cinéma a une signature, un acte poétique d'un auteur. Je respecte les séries TV, bien sûr. Je respecte les séries télé. Mais c'est une autre conception. Mas é outra concepção. D'un film. Mais David Lynch, quand il est venu à Cannes pour montrer deux épisodes de Twin Peaks, mas David Lynch quando veio para Cannes para mostrar dois episódios de Twin Peaks, je lui ai dit, c'est super ta série télé. Eu falei para ele, tua série é ótima.
Et il m'a dit, c'est pas une série télé, c'est un film de 18 heures. Il m'a dit, non, c'est une série de télévision, c'est un film de 18 heures. Donc la question aujourd'hui qui se pose, bien sûr, c'est quels sont les prochains supports, quels sont les prochains lieux où on verra des films. Então a questão hoje é saber quais são os próximos suportes, quais são os próximos lugares em que a gente vai ver filme. Dans une salle, comme Lumière l'a inventé. Numa sala, como Lumière inventou. Ou chez Thomas Edison. Ou no Thomas Edison. On va voir. Vamos ver.